Monsieur Joseph Kassa, merci d'avoir accepté cette invitation sur Kyondo Radio Télévision. Quand on parle de justice transitionnelle, à quoi faire allusion en des termes simples et clairs? En fait, la justice transitionnelle, c'est pratiquement un pont. Un pont qui fait la différence entre un État qui sort d'une situation de crise, d'une situation politique, d'une situation de dictature et un État de droit. Si on a besoin de créer un état de droit en République démocratique du Congo, on a besoin de faire ce processus-là qui établit certaines responsabilités du passé et puis voir comment il faut les réparer. Parce qu'on ne peut pas continuer à évoluer sans pourtant faire comme les chauffeurs font, de regarder dans un rétroviseur qu'est-ce qui a bien évolué dans le passé, qu'est-ce qui n'a pas bien évolué et dans quelle mesure nous pouvons circonscrire à ce que les sociétés puissent vivre dans la cohésion nationale. Est-ce réellement une nécessité pour la République démocratique du Congo? Si oui, pourquoi? Au-delà même de la nécessité, c'est un impératif pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que depuis pratiquement l'époque coloniale, l'indépendance, jusqu'à nos jours, la République démocratique du Congo a connu plusieurs rébellions, plusieurs guerres. Et croyez-moi, madame, que chaque fois qu'il y a rébellion, il y a un lot de victimes, il y a un lot de pertes humaines. Et comme vous pouvez le constater, alors que la justice classique, les cours du tribunal, mettent beaucoup d'accent sur l'auteur de l'infraction, la justice transitionnelle met l'accent sur la victime. Il y a plusieurs victimes de conflits armés, il y a plusieurs victimes de violences sexuelles qui se sont senties abandonnées, par l'État qui était censé les protéger. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et le ministre des Droits humains, qui a dans ses attributions la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, ont trouvé opportun que les victimes puissent être prises en compte. Parce que quand on parle de victimes, ce n'est pas seulement en termes d'individus, mais c'est en termes de communautés. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, quelles peuvent être les aspirations des victimes des violences graves de leurs droits? Les attentes sont nombreuses. Les victimes vont nécessairement, parce que l'État aujourd'hui plaide coupable de n'avoir pas protégé les biens et les citoyens hier. Et l'État va réparer. Et ces réparations peuvent être individuelles. Les réparations peuvent être collectives, les réparations peuvent être matérielles, psychologiques, médicales. Donc, il y a des femmes qui ont été violées par autant de messieurs qui ne connaissent même pas, des inconnus, et qui ont été abandonnées par leur mari parce qu'ils sont violées. Imagine-toi une telle dame, quel traumatisme elle subit. Des gens qui ont été violés devant leurs enfants, devant leur mari, et abandonnés par tout un village. Et elles sont nombreuses. Toutes ces femmes méritent de regagner la dignité qu'elles ont perdue. Et qui va leur donner cette dignité? C'est l'État congolais. Et c'est comme ça que l'État, aujourd'hui, veut faire des consultations pour que ces victimes puissent leur dire comment ils veulent que ces réparations se fassent. En tant que conseiller au ministère des Droits humains, que proposez-vous pour mettre fin aux violences des droits humains qui existent en République démocratique du Congo? Il est pratiquement impérieux que les gens comprennent que la justice transitionnelle a dans son sein des mécanismes judiciaires et des mécanismes non judiciaires. Aujourd'hui, et il y a ces quatre piliers. Et si ces piliers de la justice transitionnelle sont mis en place en bonne et due forme, croyez-moi, madame, les réformes qui vont sortir de la Commission nationale de justice transitionnelle, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, les recommandations qui vont sortir de là et qui seront opposables à tous vont faire que les cycles d'impunité finissent en RDC. Pourquoi? Mais parce que d'abord, par son premier pilier, la vérité. Les victimes ont besoin de savoir la vérité. Pourquoi les Emma et les Lendu qui s'est marié hier, aujourd'hui, se coupent les gorges? Qu'est-ce qui s'est passé? Les victimes auront la vérité au travers de la justice transitionnelle. Il y a un deuxième pilier, la justice. Mais qui sont derrière ces barbaries? Qui sont derrière ces graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires? La justice va rendre compte, les responsables vont rendre compte. Ils seront jugés, condamnés, sanctionnés. Mais il y a un troisième pilier, la réparation. C'est vrai qu'on ne saura pas réparer une dame qui a été violée par 40 messieurs. Mais au moins, elle sera suivie par des psychologues pour détraumatiser tout ce qu'elle a vécu comme affre de la guerre, comme affre de conflit.
Donc il y aura les réparations. L'État va plaider coupable et réparer les torts qu'il a commis. Parce que l'État, dans certains cas, l'État était si pas complice qu'auteur ou auteur des crimes qui ont été commis. Et donc cet État aujourd'hui vous dit, je plaide coupable, je vais réparer. Mais comment je dois réparer? C'est vous qui devrez vous approprier du processus en tant que population. Dites-moi comment je vais réparer. Et en dehors de la réparation, il y a les garanties de non-répétition. C'est-à-dire les recommandations qui vont sortir de la Commission Vérité et Réconciliation vont faire que personne ne viendra s'opposer. Même jusque dans les générations futures vont garder ça comme intact. Alors qu'on peut changer une constitution par un référendum. Les garanties de non-répétition, les recommandations de la justice sanctionnelle sont opposables à tous et personne ne peut venir changer un iota, quelle que soit la puissance, quel que soit le régime. Donc vous allez comprendre avec moi que si hier, la justice classique n'était pas capable de poursuivre les bourreaux ou les seigneurs de guerre, dans la justice transitionnelle, les bourreaux et les seigneurs de guerre seront poursuivis. Ils seront poursuivis parce qu'ils ont commis des crimes. Et les consultations nationales vont nous dire ça. Si la province de Katanga nous dit que les bourreaux qui ont commis des crimes doivent être poursuivis, l'État est lié. Il va faire la volonté du peuple. Et c'est ça un État de droit. C'est cet État qui applique la volonté du peuple. Monsieur Joseph Kassa, nous rappelons que vous êtes conseiller au ministère des Droits Humains. La radio-télévision Kyondo vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment et je demande à tous vos téléspectateurs d'être passionnés de cette question de justice transitionnelle, qu'ils en fassent leur pain quotidien. Et nous pourrons récupérer l'état des droits dont nous cherchons, que le président de la République prône depuis son arrivée au pouvoir.